What's up la meute, c'est Pépette Fitness et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi. On va visiter une érablière à Saint-Jean-Port-Joli, qui est un petit village à côté de la Pocatière. Mais avant ça, jingle! Juste ici, c'est parti pour la ville. Et cette circulation-là, ça va se passer en périphérie de l'arbre, dans la partie du bois qu'on appelle l'aubier. Et avant la montée de la sève, pour la récolter, cette sève-là, on va faire l'entaillage, l'opération qui consiste à faire un trou nouveau à chaque année dans les arbres, parce que les vieux trous, on en voit plusieurs ici sur cet arbre-là, ils sont refermés, ils sont recouverts de nouveaux bois, parce que le bois se développe. Et donc, vous recouvrir cette entaille-là, il n'y a plus jamais de sève qui va couler par là. C'est toujours une entaille nouvelle. Donc, la sève monte dans l'aubier. J'ai percé un trou pour la récupérer. Et pour que ça circule et pour que ça sorte du trou, pour que, que je puisse la récolter, ça me prend une température particulière. Vous allez le constater même près d'un prochain aussi, quand ça va dégeler, c'est que la température retourne sous zéro. Donc, ça, il y a une alternance pendant un mois environ, là. Gel et dégel. Et pour recueillir cette sève-là, il y a deux méthodes qu'on peut utiliser. Il y a la méthode traditionnelle avec un seau et un chalumeau comme ça, qui était la méthode partout ça, avant les années 70, mais qui est encore en usage dans les petites érablières de quelques centaines d'entailles. Mais on l'a remplacé à partir des années 70 par un réseau de tubulures comme ça. Wow. Pour aller chercher la sève de chaque entaille et sur des lignes comme ça, ça va canaliser ça dans des petits tuyaux et ça va ramasser des grappes d'une vingtaine d'entailles qu'on va greffer sur des tuyaux collecteurs d'un plus gros diamètre. Donc, ces tuyaux collecteurs-là, ils sont attachés à des arbres à intervalles réguliers au point le plus élevé de l'érablière et ça descend en pente vers le point le plus bas. Donc, on peut y aller à la cabane à sucre. Donc, c'est la méthode qu'on a partout dans les érablières aujourd'hui à 99,9%. C'est des réseaux de tubulures comme ça. Maintenant, c'est rendu une grosse production au Québec. Je pense même que c'est la quatrième production en importance au Québec, production agricole au Québec, le sirop d'érable. Si vous avez des questions entre-temps, je parle beaucoup, mais je vais pas poser des questions. Un trou va donner en moyenne par saison, en moyenne, 20 à 30 litres de sel par saison. 20 à 30 litres, ça peut être... pour 4 fois un seau comme ça, à peu près, durant la saison, parce que ça peut en mettre ça dans une journée, ça peut l'emplir dans une journée aussi, dépendamment des gels et des gels. Ça peut prendre 3 jours à en mettre ça aussi, donc c'est variable. De 40 litres de sève pour donner 1 litre de sirop. Donc il faut concentrer 40 fois ce liquide-là avant d'arriver au stade quand notre sirop est prêt. Donc c'est beaucoup de travail entre-temps, c'est pour ça que les méthodes sont mécanisées beaucoup, c'est beaucoup perfectionné aujourd'hui, parce que c'est des gros érablières, c'est une quantité impressionnante d'eau, là. Et donc on le fait très efficacement aujourd'hui. Ça va jusque-là? Oui. Oui. Donc on va se rendre, maintenant qu'on a ramassé la sève, on va se rendre à la cabane à sucre, on va aller voir comment on transforme cette sève-là. Une très vieille cabane à sucre, qui est un exemple quand même très typique de la cabane traditionnelle. Cette cabane-là, dans une centaine d'années, ça a été bâtie, même plus que ça, hein? Ça a été bâtie à peu près au début de 1900. Une vieille partie à l'arrière, 1884, à peu près. Donc, c'est pas simplement vieux. Et évidemment, les grosses érablières de 50 000 entailles, c'est ultra moderne, ça n'a rien à voir avec ici. C'est des équipements très sophistiqués, très élaborés. Et tout avec des équipements ultra modernes aussi. Mais, comme je le disais à l'extérieur, le principe demeure toujours le même. Donc, qu'est-ce qu'on prend, qu'on utilise pour concentrer cette sève-là? C'est un évaporateur. Donc, ça, c'est, pour résumer, qu'est-ce que c'est cette machine-là? C'est un gros poêle en dessous qui est chauffé au bois, au mazout, tout qu'importe. Et sur le dessus, c'est tout un ensemble de casseroles, de marmites dans lesquelles on va faire bouillir cette sève-là. Et la surface totale de casserole que j'ai ici évapore au-delà de 500 litres à l'heure. J'ai 500 litres d'heure en heure qui est évaporé. Donc, il
sûr qu'on a des hottes maintenant, je ne vais pas dans le temps de mon père, là, qui va faire des l'eau, ça boue toujours à 100 degrés Celsius. Au début, là-bas, ça boue à environ 100 degrés. Mais ici, la température s'élève. Pourquoi? Parce que le liquide est de plus en plus dense, de plus en plus sucré. Comme quand on fait des confitures maison, on met beaucoup de sucre dans nos fraises ou framboises, on fait des confitures. Et donc, la densité est plus élevée et la température donc s'élève aussi. Lorsque ça atteint 104 degrés, ici, ça veut dire que, et j'ai un thermomètre fixé sur la casserole, je rentre dans le liquide comme ça, là. Et lorsque la température atteint 104 degrés, 4 degrés de plus que le point de départ là-bas, ça, c'est l'équivalent de mon 66 degrés Brix de densité. Donc, c'est une densité que j'ai besoin. Je prends un échantillon par la sortie ici. Et j'ai besoin d'une densité, donc je me sers d'un... Wow. Thermomètre. Non? Le thermomètre, il est là. Il est sur la casserole. Et pour la densité, je sais pas. Densité, c'est un... densimètre. Densimètre. On n'en plus. C'est pas uniquement au cégep qu'on apprend des choses. La vie nous en apprend aussi. Donc, un densimètre. Ça, c'est le même instrument qu'on va servir même en Europe pour... c'est un alcoomètre, hein, ce que vous allez tremper dans l'alcool ou dans le vin, dans le jus de raisin pour savoir le taux de sucre, parce qu'il est plus dense un peu que le liquide, que l'eau. Donc, savoir le taux de sucre qui est dans le raisin. Tout ça. Une fois filtré et refroidi, j'ai mon sirop d'érable. Le seul changement que j'ai fait à mon eau d'érable que j'ai ramassé des arbres, ça a été d'y enlever une partie de l'eau pure qui contenait. Seul changement que j'ai fait. Donc, c'est pour ça que ces produits-là doivent nécessairement être 100% purs. Il n'y a rien d'ajouté, rien de soustrait. Uniquement, tous ces éléments premiers sont contenus dans ça, excepté le concentré. Donc, produit 100% pur. Donc, dépendamment du temps de la saison, parce que ça dépend tout simplement, c'est une évolution que durant le temps de la saison. C'est dingue. Et c'est selon le degré de transmission de lumière qu'on va le classer en sirop doré, ambré, foncé. Celui-là, c'est du ambré aussi. Foncé, très foncé. Donc, il s'appelle du jusqu'à noir, comme ça. Du très foncé. C'est comme de l'eau d'érable. Je ne connaissais pas du tout le clair et le foncé. Non, okay. On ne voyait que des ambrés comme ça. Même dans les magasins, hein. Vous ne voyez pas beaucoup de sirop ambré? Ah, jamais. Non, je sais, la plupart du temps, c'est du sirop clair au médium. Ben, mais même clair, j'en ai jamais vu. Du extra clair comme ça. Mm. C'est l'air, ah oui, c'est à peu près sur le bleu. Oui, tout le temps. En Europe, pour l'exportation, les grosses compagnies, ou la coopérative là, qui exporte du sirop en Europe, ben, les grosses compagnies achètent du sirop de plusieurs producteurs, des centaines de barils, tout ça, des barils, c'est ça, des barils de sirop. Ils vont mélanger aussi le sirop. Du très clair comme ça avec un sirop plus foncé pour le stabiliser, pour le l'uniformiser, question de couleur, pour avoir toujours la même présentation du sirop d'érable. Parce que pour les gens qui ne connaissent pas le sirop d'érable, donc d'avoir toujours une image de référence, le sirop d'érable, c'est cette apparence-là. Si on vous envoie ça durant de nombreuses années, sirop clair comme ça, puis à un moment donné, c'est parce que ça, la production. Ça peut être beaucoup de sirop clair comme ça une année. L'année suivante, la majorité de la production est un sirop noir comme ça. Parce que c'est une température un printemps qui est chaud ou un printemps qui est froid. Ça peut varier beaucoup en quantité. Puis on vous envoie ça l'année suivante. Vous allez dire, ben, ils l'ont fait brûler sur la cuisinière ou quoi? Je veux dire, ou l'inverse. Si vous êtes habitué à ça, et là, où ils l'ont coupé avec de l'eau, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on standardise le sirop pour qu'il y ait toujours la même image de présentation, en fait. Mais en réalité, tous les producteurs, à toutes les saisons, vont faire toute cette panoplie de sirop. On va aller de l'autre côté, puis on va aller goûter à ces sirops-là aussi. Cool. Là, on va goûter au ketchup vert favori. Mais c'est ce que... Tu veux bien? Vas-y. Alors? Franchement, ça c'est bon. Ça c'est bon? C'est plus vinaigré un petit peu, mais avec des pains de viande, là, des portières, tout là, ça c'est très bon. Ça c'est bon. Moi j'aime bien. Un petit goût là. Je suis
je sais pas. L'érable. Les gens sont surpris quand même. Ça goûte la moutarde, possiblement. Puis le goût d'érable est plus présent. Et c'est vraiment ça avec des... Je sais pas si on tourne ça. Oui. Ah, allez. Je sais pas très moutarde. Moi, c'est moi, pas ça de moutarde forte. Ça m'intrigue c'est trop. C'est très, très doux. Ça n'arrive qu'une fois dans allez, sa vie, ça. On va tester un petit peu. One life. Allez, on essaye. Juste un petit peu. Mais c'est de, wow. Rien à voir avec la moutarde qui, oui. Qui pique la lame. Rien à voir avec la moutarde de Dijon. Ça rien à voir. Oh, c'est un truc de fou. C'est vraiment très bon. Vinaigrette. La moutarde, ça, c'est trop bien. Drôle. Oui. Ouais, ouais. Ça, c'est vraiment une réussite. Je veux dire, sans trop de prétention. Réussi à équilibrer, à balancer une recette là, pour que ça soit vraiment le goût d'érable, c'est juste balancer un goût d'érable, mais vinaigré quand même, qui n'est pas sucré, mais qu'on a quand même la saveur d'érable, qui n'est pas trop fort en vinaigre aussi, qui est vraiment très bon sur n'importe quel type de salade. Merci beaucoup. Et des cubes de viande qu'on va se servir cute. Pour faire des brochettes. Mais c'est dingue parce que, qu'il n'y ait pas ça en France. J'ai l'impression qu'en France, il n'y a que l'érable. Oui, tout le reste, je sais, on ne connaissait pas. Mais la plupart des produits oui, dérivés. C'est super bon. La plupart des produits dérivés de l'érable, ce n'est pas wow. Des produits qui. T'as vu? C'est super bon. Wow. J'ai des clients du Québec ici qui viennent de Montréal. Du coup, vous avez déposé une recette? Non. Non? Vous devriez. J'ai pensé, il y a quelques années, même à la commercialiser, c'est-à-dire qu'on la mettre sur le marché, oui. Là, bah, dans oui. Les épiceries, tout ça. Mais c'est compliqué. Et puis c'est beaucoup de boulot aussi. C'est, non, c'est de l'érable, pas du boulot. Ah oui, c'est compliqué parce qu'il faut que une certification de chaque élément que tu fais oui. Dans j'aurais ça. Bien aimé ça en France. La gelée d'érable. Gelée d'érable. En plus, c'est liquide, tu ne peux pas y envoyer par avion. Gelée d'érable, c'est uniquement du sirop d'érable qu'on amène à ébullition et puis qu'on ajoute un gélifiant. C'est moins sucré que le sirop. Vous gardez la cuillère aussi pour goûter après ça au sirop. Là. C'est moins sucré que le sirop, même si c'est uniquement c'est du parfait. Sirop, parce qu'on le coupe avec merci. De l'eau. On ajoute de l'eau dans son question de consistance. Il faut réduire le sirop avec de l'eau. Et du fait qu'il est coupé avec de l'eau, c'est trop bien. Le sirop, habituellement, j'ai un petit présentoir. J'ai mes quatre sortes de sirop. Là, mais là, je l'ai réduit à deux parce que je n'ai pas assez souvent. Donc, j'ai le sirop de début de saison, début mi-saison, à peu près, en tout cas, de goût délicat de début de saison, et fin de saison, qui est un sirop foncé, là, qui a le goût caramélisé, un goût boisé. Là. Donc, on va y aller avec même la bouteille comme ça, là, pour un peu de viande. Je suis en train de penser que la gelée, ça a un petit peu un goût de sucre de coco. Sucre de coco. Oui, ça existe, mais j'en ai vu à Biomonde, et c'est vrai que c'est super bon. Ah oui. Et je trouve qu'il y a un petit arrière-goût de douceur comme pour la coco. Ah, il est vraiment très doux. Ça, c'est 100% pur. Ouais. Donc, le sirop. Oh, là, vous avez goûté le sirop clair. Oui. Le sirop ambré maintenant. Oui. Vas-y. Lève ta cuillère un peu plus. Voilà. Yes. Il a l'air plus. Il a l'air plus épais. Oui. Merci. Il a l'air plus épais, puis il va vous sembler plus épais à goûter. Il y a merci. Exactement c'est il y a 66% de concentration de sucre, exactement la même densité. Mais il est plus épais parce que c'est sa consistance qui est différente. C'est ses éléments qui sont différents. C'est... Après le sirop, oh, le fameux beurre d'érable. C'est ça. Moi, je suis fan du beurre de cacahuète. Donc, si je suis fan de ça, passer. Le beurre de cacahuète, le matin, c'est incontournable. Il y a toujours une toast là, avec le beurre de cacahuète. Mélangez au beurre de cacahuète le beurre d'érable. Là. C'est encore meilleur. Moi, j'aime plus ou moins le beurre de cacahuète, mais elle met toujours du beurre d'érable mélangé. Ah oui. Voilà. Toi, t'es pas fan du beurre. Ah, si, t'aimes bien le beurre de cacahuète. Alors? Merci. Oh, c'est bon. Je suis moins fan, bon. Mais c'est bon. T'es moins fan, vas-y. C'est du sucre. C'est voilà. Sucré. C'est du sucre, mais liquide. Après. Donc, on peut tartiner. Oui, ça, oui, c'est pratique. Il est plus sucré. Oui, qu'est-ce que j'aurais oui évidemment. Cru. Là, on monte en grammes. On a ce sucre-là, ici, qu'on appelle le fondant à l'érable. Merci beaucoup.
Donc là, ça fait un petit bout de temps qu'il est Alors. fait, là, il commence à faire des cristaux un petit peu, mais habituellement, frais fait, là, il est fondant dans la bouche. Vraiment, il n'y a pas de grain. Il y a des J'aime grains ça, très, très moi. fins. Ah ouais? Mmh. Donc, c'est trop... trop tard, j'ai mangé. C'est vraiment doux. C'est très doux la texture. Ouais. Le caramel à l'érable. Caramel. Caramel, j'ajoute du glucose. Merci. Justement, de la classe de sirop. Si tu veux, nous, on prend un sirop qui est foncé pour le faire, pour la saveur d'érable, parce que tu mets Non, c'est bon. du lait condensé dans ça et Ouais. du glucose. Ça va atténuer un peu la saveur d'érable. J'ai jamais Bref. ça me dit Bon, le sucre dur, ça, c'est le bloc que je montrais tantôt. Oui, c'est vraiment du Le sucre. sucre Waouh, qu'on c'est... va hacher avec un couteau, on va prendre 4 cm Ah oui, d'eau. c'est du sucre pur, là. Oui, c'est du sucre. J'ai ruiné ma séance d'hier, doucement. Mais on va s'en servir comme cassonade dans les yaourts, ou sucré, céréales, sur des Ou du fruits frais. café? Du café, oui, mais du Ouais. café, au lieu de mettre du sucre comme ça, là, mettre du sirop. Il est déjà en liquide. Ok. Ça fait que ça revient à la même chose. Ok. Ça, c'est plutôt. Ouais, c'est parfait. Donc, du sucre dur. Et le dernier, c'est le sucre granulé, la cassonade d'érable. Tu prends avec le bien. C'est que. Du fait qu'il est en petit Merci. fin granule, Alors. on dirait qu'il explose en bouche. C'est-à-dire que pchouf, il va fondre là, puis. C'est vrai. Non, c'est vraiment... C'est doux. Ouais, c'est vrai que c'est très doux. Ça, sur des fruits frais, sur des desserts, là, Non. Il doit être bon. Ça fond tout de suite en plus. Ouais. C'est dingue. Donc, ça, c'est les produits d'érable. Les contenants, ça varie sur l'infini, sur le marché. Ce qui est le plus standard, c'est la boîte de conserve qu'on voit partout. Oui, Ce c'est vrai. qui fait la différence de ces sirops-là, d'un producteur à l'autre, c'est l'étiquette. On a le même contenant, c'est l'étiquette qu'on met sur le contenant qui en indique la provenance. La production ici, Ça, c'est c'est beau. que j'en ai trois classes ici. Sirop de début de saison, sirop doré. Sirop de mi-saison, sirop ambré, et fin de saison, le sirop foncé. Ici, sur cette tablette-là, c'est la seule place que j'ai du sirop très foncé, qui est toute fin de la saison, éventuellement, ces échantillons-là. Et ça, c'est toujours début, mi, fin de saison. Les trois grandes classes de sirop. Donc, le sirop vous avez en boîte de conserve J'adore. aussi, c'est toujours indiqué sur la boîte aussi. Pour ceux qui Oui, calculent le poids dans leur ben oui, parce que valise. ça faisait pour. Souvent, j'ai une balance sur le côté. Combien ça pèse ça? Combien ça pèse? Les gens ils veulent savoir pour en avoir trop dans les Mais bagages. c'est vrai en plus, hein. Ah Ouais. oui, ah oui. Des chocolats à l'érable, évidemment, c'est pas nous qui le faisons. Ça, c'est des. On va acheter ça d'une compagnie. C'est des. Ouh, Il y ça a doit des être bon. croquants à l'érable, on aura du chocolat. Et il y a le thé à l'érable aussi. Ça aussi, c'est acheté d'une compagnie de l'Ontario. C'est des sachets de thé qui ont une très bonne saveur d'érable, un bon goût d'érable, parce qu'on l'a goûté avant de l'acheter. Et il y a du thé vert et du thé noir. Thé vert, ici, bon, c'est du thé en sachet, de la saveur d'érable. C'est aromatisé l'érable. Ce n'est pas des feuilles d'érable, c'est du thé, mais qui est aromatisé par des saveurs extraites de l'érable. Et on Ok. sent ça pour aromatiser le thé. Ok. Combien ça coûtait pour les frais de poste. Quand on les envoyait les frais de poste, tout cher de poste. Eh bien, écoutez, c'était super sympa. Là, il est temps de rentrer à la POC. Ça y est. Le monsieur était. Franchement, c'était trop bien. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Top. Au top. Et let's go, hein. À la maison. Oui.
De retour à l'appartement, on a pris tous les colis, on va les emballer et tout pour la famille, on va les envoyer direction la France, on va en garder pour nous aussi hein, bien sûr. Mais sinon, qu'est-ce que vous avez pensé de l'érable hier? Non, c'était trop bon. Franchement, c'était trop bon. C'est trop bien. Une tuerie. Voilà. Le mec était super sympa. Je vous mettrai dans la description le lien où c'est. Ça s'appelait l'érable hier. Bois Joli, c'était vers Saint-Jean-Port-Joli à 20 minutes de la Pocatière. Et je pense que c'est à 50 minutes de Québec. Mais en tout cas, c'était super sympa. Il nous a tout expliqué en détail. On a goûté tous les produits. Et franchement, c'était vraiment chouette, donc je vous le conseille. C'est un monsieur aussi qui fait des couteaux, il fait même... il a des tableaux qu'il creuse lui-même dans le bois, il fait des sculptures sur bois. Donc c'était vraiment impressionnant. Donc si vous avez aimé cette vidéo, lâchez votre pouce bleu. Mettez en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres sujets ou d'autres visites. Et surtout, abonnez-vous juste ici. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, tchou! Aou!